accusé d'administrer un vaccin considéré contre la COVID comme condition pour accéder à l'emploi dans l'un de ses projets au Nord Kivu, le Fonds social de la République fixe l'opinion, selon le chef d'antenne en intérim de la province, Crispin Banioué-Zissé. Le vaccin administré d'une manière volontaire à tout travailleur n'est autre que celui contre la COVID-19. Pour Crispin Banioué-Zissé, chef d'antenne AI du Fonds social de la République au Nord Kivu, le vaccin administré à tout ouvrier recruté dans les projets en cours en province n'est autre que celui antitétanique et non contre la COVID-19, comme certains le font entendre dans l'opinion. Lorsque nous voulons lancer les projets des travaux publics, et c'est à l'issue de la signature du contrat et la distribution des équipements de protection individuelle qu'on appelle EPI, que nous procédons par la suite par la mise en œuvre de ce protocole d'examen d'aptitude physique et qui chute sur la vaccination ou le vaccin antitétanique. En ce jour, nous sommes étonnés que sur les réseaux sociaux, des gens mal intentionnés voudraient profiter de cela, profiter du contexte, pour véhiculer des fausses informations comme quoi le Fonds social est en train d'administrer, de favoriser la vulgarisation du vaccin du Covid-19. De son côté, le responsable de la zone de santé de Karisimbi, partenaire du Fonds social de la République, affirme que ce vaccin antitétanique est très avantageux pour la santé de tout travailleur de terrain. Ça, c'est la vaccination contre le tétanos, c'est quoi? Le tétanos, c'est une maladie qui attaque le cerveau. Et c'est souvent, ça se contamine surtout à travers les plaies. La raison pour laquelle le partenaire a réfléchi s'il pouvait administrer le vaccin en collaboration avec le ministère de la Santé. Mais dommage qu'il a été mal interprété par certains. Soulignons que ce vaccin antitétanique, suggéré par le Fonds social de la République dans le cadre de ce projet, a pour objectif la protection de ses ouvriers au chantier.